Donc on est en train de poser, je crois que c'est fait maintenant, le premier mât, le premier des deux mâts qui vont ponctuer de manière assez vertigineuse le square Thomas-Becket. Donc ce projet, c'est un projet de valorisation d'un lieu historique très important d'Avranches, puisque c'est ici que se dressait jusqu'à l'époque révolutionnaire la cathédrale Saint-André qui a disparu à cette époque. Donc le projet de ce square, c'est tout d'abord de recréer un vrai belvédère sur la baie du Mont-Saint-Michel, parce qu'on a un des plus beaux points de vue d'Avranches sur cette baie et sur le mont, mais aussi de rappeler l'existence passée de la cathédrale à travers un tracé au sol qui va être matérialisé par des bordures de granit avec un gazon et aussi par des éléments en élévation, dont notamment les deux mâts qui symbolisent les deux tours disparues. Les deux mâts qui sont exactement la même dimension en termes de taille que les deux tours qui ont disparu en 1812. Et puis donc d'autres éléments vont venir ponctuer ce nouveau jardin d'Avranches, c'est vraiment véritablement un jardin que nous avons voulu installer, avec un espace plus paysager, avec des arbres, propre un espace plus dédié à la lecture notamment, ou avec des jeux pour enfants. Quoi qu'il en soit, on veut que ça devienne un véritable lieu de vie pour Avranches, à la fois pour les habitants, mais aussi pour les touristes qui sont de passage.